Alors, bonjour Laetitia, comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Ça va très très bien. Alors, aujourd'hui tu nous parles de la Réunion, voilà, c'est magnifique. Donc, Oui. est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter? Oui, alors je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Et je vis à l'île de la Réunion et je suis dans la formation de base depuis janvier 2018. D'accord. Et est-ce que tu travailles à côté? Est-ce que tu fais quelque chose ou pas actuellement? Non, je travaillais avant, j'étais dans le prêt-à-porter, puis j'ai fait des petits boulots en CDD par-ci par-là et voilà. Mais là, pour l'instant, avec la formation, je ne travaille pas. D'accord, super. Donc tu as tout le temps pour t'entraîner justement alors. Oui. Tout le temps. Enfin, après, depuis janvier, comme j'étais dans la formation, enfin, quand je me suis inscrite, juste après, j'ai fait un déménagement avec tous les papiers, avec tout, avec mon petit garçon, l'école. Bon, j'avais pas vraiment le temps. J'ai perdu au moins 2 mois et demi le temps de m'installer et tout. Et je me suis vraiment consacrée à la formation au mois d'avril. Vraiment. D'accord, oui. J'étais vraiment dedans à partir du mois d'avril. Ouais. Et justement, le fait de pouvoir décaler comme ça ta formation, est-ce que c'était vraiment un avantage pour toi de pouvoir le faire? Oui, enfin après, pour être mieux et être concentré, je pense que c'est le mieux. D'accord. Non, mais je voulais dire par là que voilà, si tu avais suivi peut-être une autre formation, ces 2 mois-là et demi auraient peut-être été perdus. Tandis que là, voilà, moi, je donne la possibilité donc de. Oui, ah oui, ah Ouais. oui, ah oui, c'est sûr. Bah oui, non, mais j'aurais pas eu le choix de partir en fait si j'étais en centre. J'aurais essayé de décaler mes affaires, mais j'aurais pas eu le choix. Et là, bah là, du coup, comme je fais à la maison, bah c'est mieux. J'ai pas de contraintes. Oui. Et justement, tu avais regardé un petit peu pour te former dans un centre de formation avant de tomber sur sur la mienne? Oui. Alors, j'avais regardé, oui. Et ici, les prix sont très, très chers. Et du coup, j'ai eu l'occasion aussi de passer modèle pour une amie dans le même centre que j'ai pris renseignement du coup. Et bah, comme je suis allée en tant que modèle, bah, j'ai vu un petit peu comment ça s'est passé. Et je suis contente de pas avoir franchi le pas, de m'inscrire là-bas D'accord. en fait. Bah oui, tu as des contraintes. Bah, il faut que tu sois à l'heure, faut les embouteillages, donc faut que tu gères. Faut déposer le petit garçon à l'école et récupérer. Enfin, du moins, dans le centre où je suis partie, ils se partageaient le matériel, donc pas très professionnel. Et du coup, ça m'a fait reculer un petit peu et je me suis dit non, je vais pas m'inscrire et je vais attendre. Je vais attendre et voir. Bah, du coup, voilà. D'accord. Je suis contente. Oui. Et est-ce que tu te souviens peut-être des prix, justement, peut-être pour une semaine, à combien ça revenait? Avec ce centre-là, c'était pour 3 semaines. Oui. C'était dans les 2800, D'accord. 2800 à peu près. D'accord. Ouais. Ok. Et ça, Pour 3 semaines. C'est ouais, oui. c'est énorme, ouais. Enfin. Après, c'est beaucoup, beaucoup pratique ces prix-là en tant que formation, hein, en centre. Hein. Par contre, ouais, moi, je trouve effectivement que c'est énorme, surtout si c'est en groupe. À la limite, si c'est encore juste avec une seule personne en individuel, ça va encore. C'est vrai que 2800 euros pour 3 semaines, c'est énorme. Pour ce prix-là, Ils étaient à 5 personnes et ils se partageaient beaucoup de choses. C'était pas professionnel. D'accord, oui. Ça donnait pas envie en tout cas. Même l'endroit où ils étaient, ça donnait pas envie. Pourtant, c'est un grand centre, hein, mais non, moi, je suis contente de pas avoir inscrit là-dedans. Oui, c'est vrai que du coup, pour 3 fois moins cher, tu as 6 mois d'accompagnement chez Your Nails et 7 jours sur 7, Ah même oui, le dimanche. Donc, ah oui, ah oui, ah oui, non, non, mais ça n'a rien à voir, mais rien, rien à voir. ouais. Et du coup, tu avais fait des recherches sur Internet alors pour me trouver? Comment tu m'avais trouvé du coup? Non, j'ai tombé par hasard sur une de tes vidéos
où tu te présentais la formation et tout. Et après, ben, quand j'ai vu, ben, j'ai fait plus de recherches encore. J'ai essayé de regarder tes tutos, le bon B, le rallongement et tout. Et du coup, après, même ta manière de parler, ta manière d'expliquer les choses, ben, j'avais un peu des doutes, mais après, à force de t'écouter, ben, je sais pas, je me suis dit, elle me donne envie. Elle me donne envie de faire, elle me donne envie d'avancer. Et c'était compliqué, j'avais très, très, très peur. Hein, j'avais très peur. Mais à force de te regarder, de regarder tes vidéos, les étapes par étape, ben, après, franchement, j'avais toujours des doutes, mais je pense toujours que, ben, avec toi, je vais y arriver. Voilà. Ben super. Et tu as l'impression d'avoir déjà fait des progrès du coup entre le début de la formation et maintenant? Ah oui, oui. Je me rappelle enfin de ma première pose. Alors, pas très très jolie. C'était surtout l'image et comme je te dis le bébé. Alors lui, l'image et le bébé, c'était compliqué, compliqué. J'avais le long qui était empâté, le bébé qui était pas plat, plat. Et là aujourd'hui, ça va. Au niveau l'image, c'est super. J'ai bien avancé. Niveau bombé, ça commence à bien rentrer. Et même les nail art, les petits nail art simples, comme tu proposes là, et ben au début c'était pas possible pour moi. Et maintenant, ben j'en ai fait quelques-uns. Et puis voilà, c'est bien. J'avance bien. Moi, je trouve que j'avance bien et j'évolue bien. Ouais, c'est super. Et surtout, l'avantage, c'est que tu peux avancer à ton rythme puisque tu peux travailler Oui. quand tu veux. Oui. Ah oui, c'est vraiment le soir, quand même quand mon petit garçon grand, ben, il va jouer ou il va regarder la télé. Moi, je me pose au niveau de ma table et je me concentre. Et puis voilà, je peux faire à n'importe quelle heure et quand j'ai envie et quand j'ai pas envie. Voilà. Tout à fait, ouais, exactement. Et le fait qu'il y ait le groupe privé, est-ce que toi, ça t'aide aussi justement à évoluer, tout ça, à pas lâcher, parce qu'on est très très soudés Ah sur le oui. groupe? Ah oui, ben il y a après il y a des anciennes qui sont toujours là et ben elles aident beaucoup, elles sont là, elles te reboostent. Même si tu as des petits doutes et que tu leur fais part, ben elles te disent de rien lâcher, elles te corrigent quand toi tu as pas le temps ou que tu as pas vu notre commentaire ou tu as pas vu nos photos, ben elles sont là, elles te corrigent et elles te motivent. Hein. Et sans le groupe, je pense que ça aurait été pas pareil. Ah Exactement. oui. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'essaye quand même de corriger tous les jours, mais par contre, c'est vrai que je Oui. ne peux pas être toute la journée sur le groupe parce que forcément, j'ai pas mal de choses à faire à côté. Toute la partie logistique et tout ça derrière la formation. Ah Par oui, c'est contre, sûr. c'est vrai que ça, c'est un gros avantage que justement, il y a des élèves déjà plus avancés dans la formation, qui ont même déjà eu leur certificat et tout ça, qui peuvent donner une réponse vraiment pratiquement tout de suite. Et quand on a un problème, c'est génial d'avoir une réponse tout de suite. Après, si vraiment c'est quelque chose d'urgent, moi je dis souvent, pas de souci, hein, on m'envoie un texto sur Messenger ou peu importe, et je réponds rapidement quand il y a un doute par rapport à une mycose ou quelque chose comme ça. Bien sûr, là on peut même m'appeler, je suis dispo tout le temps, quoi, hein, le matin, le soir, entre midi, il n'y a pas de souci. C'est ça qui Voilà. est bien. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut t'appeler à n'importe quelle heure, n'importe quand, bon, sans s'abuser quand même. Mais voilà, tu es là et tu es tout le temps prête à me répondre et c'est ce qui est bien. Et qu'en centre, voilà, on n'aurait pas ça. On ne peut pas appeler la formatrice. Ah oui, bonjour. Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Et Ouais, là, c'est bah, sûr. toi, voilà, on peut t'appeler. Si on a des doutes, on peut t'appeler, tu es là. Ah bah c'est super que tu le ressentes comme ça. Et justement, je voulais te poser encore une question par rapport à à la praticité de la formation. Est-ce que tu as l'impression que les vidéos sont suffisamment bien expliquées pour pouvoir comprendre les choses? Ah oui, ah oui, c'est étape par étape, tu expliques bien. Moi, j'ai tout de suite compris. Hein. Après, pour ma part, j'ai regardé, avant de commencer la pratique, j'ai regardé toutes les vidéos et je trouve que c'est bien expliqué. Tu as les étapes par étape, tu peux faire pause et tu regardes. Non, franchement, moi, je trouve que c'est bien.
Moi, c'est bien expliqué et ça va, c'est compréhensible. Je dirais que ça permet de ne pas prendre de mauvaises habitudes parce que quand on va en centre, effectivement, on est bien encadré et tout, même des fois un petit peu trop, puisqu'il y a voilà, la professionnelle qui est derrière pour corriger, corriger, corriger. Et du coup, on rentre chez soi et on se dit, mais mince, j'ai fait des tellement belles pauses en centre et là, ça ressemble pas à ce que je faisais. Et au final, on se dit, mais mince, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on se retrouve seul et on se dit, ouais, mais attends, à ce moment-là, je vais faire quoi? Je vais faire ça ou ça? Et en fait, des fois, on bidouille un peu et puis on prend des mauvaises habitudes. Et finalement, ça tient pas trop. Et puis après, voilà, on est seul face à tout ça. C'est sûr. Et on peut lâcher, J'ai quoi. eu mes premières clientes maintenant, j'ai fait déjà 6 clientes. Oui. Avant chaque cliente, du moins ce qu'elles veulent que je fasse sur leurs ongles, je repars sur la plateforme et je regarde tout de suite, je regarde bien les étapes, je regarde bien, je prends un temps et je regarde et je regarde. Or que en centre, tu peux pas faire ça, tu as des écrits, oui, mais le visuel, tu l'as pas. Tu n'as pas ce visuel-là. Et là, tu as la plateforme, tu cliques dessus et hop, tu regardes et ça revient très dans ta tête et puis c'est bon. Voilà, exactement. Ah oui, franchement, c'est bien. Et tu trouvais que c'était facile justement d'accéder à la plateforme, tout ça, est-ce que c'était... Oui. Bah après, tu nous expliques aussi. Tu as fait une vidéo, je crois bien, sur la plateforme et tu nous expliques de comment y aller. Faire et puis de pas sauter les étapes non plus. Oui, très bien. Okay. Et justement, est-ce que là, tu vas donc vouloir en faire ton métier par la suite, ou est-ce que c'est plus une passion? Non, passion, oui, ça fait un moment que je voulais déjà être esthéticienne, mais vu mon âge et vu les patrons, eux, ils aiment pas, ils veulent pas prendre du moins les jeunes de mon âge. Donc du coup, quand j'ai vu la vidéo, je me suis basculée là-dessus et je veux vraiment, mais vraiment ouvrir mon petit salon et pouvoir vivre de ça et être là pour mon petit garçon, le voir grandir et pouvoir faire plein de choses avec lui. Ouais, ça Donc oui, c'est. c'est ça. Mon but, c'est d'ouvrir et de pouvoir en vivre. Oui. Voilà. Eh ben, je pense que c'est tout à fait possible. En plus, tu as vraiment les capacités pour. Donc, voilà, ça, je pense que tu vas y arriver largement. Merci. Et au niveau de la correction, parce que souvent c'est une question qui revient assez souvent, on se dit au niveau de la correction, comment est-ce que moi je peux corriger par photo uniquement sans être à côté? Est-ce que tu as l'impression que malgré que je ne sois pas à côté de toi, la correction se fait quand même, enfin que j'arrive quand même à voir les défauts ou pas? Ah oui. Alors en fait, comme tu me dis, de poster plusieurs photos des ongles. À chaque fois que j'ai fait des photos, tu as pu voir que mon bombé était pas bon, qu'il fallait encore relimer. Franchement, si tu gères et tu regardes, tu as l'œil sur tout. C'est incroyable parce que moi déjà, des fois, je vois pas. Et quand tu me dis, je regarde, je dis, ah bah oui, effectivement, oui, mais bien la raison. Tu corriges très bien, oui. Et D'accord. ça, c'est pas. Donc il n'y a pas besoin Voilà. d'avoir peur, cette peur-là de justement, vu que c'est à distance, que la correction ne se passe pas bien, quoi. Non, c'est non. Moi, j'avais peur, j'avais très peur de ça, mais avec le groupe et avec toi pour nous corriger, franchement. Là, ça, moi, ça va très très bien et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est génial. J'aime bien la formation. Ah bah super, c'est impeccable. Je suis contente que tu t'épanouisses parmi nous. Justement, tu ressens cet effet un peu famille qu'on a sur le groupe? Ah oui. Même sur le groupe, on parle pas que d'ongles, hein. On parle beaucoup de choses. Même s'il y a une fille elle a évolué ou même dans sa vie personnelle ou professionnelle, elle nous en parle et nous, on est là pour elle,
qu'elle soit pas bien ou qu'elle soit bien, ben, on est tous là en fait. On se soutient et puis ben, c'est comme ça qu'on avance aussi. Hein. C'est pas seul, c'est avec tout le groupe, avec tous les gens autour de toi. Et puis c'est comme ça qu'on monte et qu'on reste en haut. Voilà. Exactement. On fait que monter. Oui, c'est ça. Puis surtout, on lâche pas en cours de route, quoi. C'est ça, on continue, on continue. Oui, voilà, voilà. Ah oui, parce que moi je te dis, s'il n'y avait pas le groupe ou que j'étais seule, ben, je pense que j'aurais abandonné. Ouais. Et c'est malheureusement ce qui arrive à énormément de filles qui se lancent dans une formation, c'est qu'elles abandonnent après parce qu'elles se retrouvent seules, quoi. Oui, on est toutes seules et puis c'est pas possible d'avancer quand t'as pas de soutien ou quand tu as personne autour de toi, c'est pas possible. Ouais, et ben c'est super. Je voulais peut-être te poser la question, qu'est-ce que tu penses de la formatrice? Ah alors la formatrice, elle est au top, elle est très 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 géniale. Moi, je regrette rien, je regrette pas de t'avoir écouté, d'avoir sauté le pas, d'être avec toi, avec vous dans le groupe. Tu es toujours souriant, tu as toujours la bonne humeur et c'est super. reste comme tu es et franchement, tu nous fais vraiment avancer. Tu es toujours là pour nous, tu nous aides beaucoup, tu es tout le temps en train d'améliorer la plateforme pour nous. Franchement, ben, c'est génial, reste comme tu es. Moi, je t'adore. Ah ben super, j'y compte bien. Peut-être juste encore un dernier mot pour celles qui ont toujours encore peur de s'inscrire, qui pensent qu'elles vont pas y arriver ou tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, pour toutes celles qui ont peur, franchement, sautez le pas. Nathalie, elle est très, très, très sympa. Elle est là, elle corrige. Nous, on est là. Il y a les filles dans le groupe. Vous ne serez pas seules. Et vous allez voir, vous allez évoluer. Et franchement, c'est le top. Il faut sauter le pas. Voilà, c'est pas une arnaque. Et il faut venir avec nous. Voilà. Exactement. Et ben, c'est super. Je te remercie beaucoup hein, pour ce beau témoignage. Tu as pris sur ton temps. Je sais que c'est pas évident pour vous de faire ces témoignages aussi. Ça demande du courage d'être comme ça devant une caméra. Mais tu l'as fait. Tu peux être fière de toi. C'est super. Oui, je le sais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi, Nathalie. Ouais. Très bonne journée. À bientôt. Allez, merci toi aussi. À bientôt. Bye bye.